Ok, bon, un essai. Ou deux. Je vais faire juste que. Je vais juste faire un dernier multi-soin. Faire quelques soins partiels. Premier soin, même. Ouais, suffira à 340 PV. Bon. What took you so long? Looks like the goodies are mine, eh? We did say it was first come, first served. Pas toujours. Tu connais pas World of Warcraft, hein? Ahoy there! They call me Captain Crow. Long ago, I were one of the pirates who sailed the seven seas. Enchanté, fantôme. Think you can take my treasure, do you? Think you've got what it takes? Yo ho ho then! Prove it by fighting me. Else get your hands off me, Chul. C'est pas bien de dire ça à une femme. Oh, fighting ain't really my cup of tea. But. Une dague contre une rapière. Red, what are you doing getting yourself into this? Vraiment. Le karma. C'est ce qu'on dit dans notre jargon. Chez. Non, elle est pas consciente si elle fait. Bon, bah enchanté, monsieur. So, you're after me treasure, are you? Ouais. You'll have to fight me first, mateys. Donc c'est le boss qui est avant celui de la grotte. Sauf que Captain Crow, il est un peu moche. Il y a des sorts de défense chez lui. Ah, même pas. Ah, j'ai vraiment rien. Méga protection. Oh, je suis con. Oh, j'ai fait de la def pour rien. C'est pas grave. Je suis cool, là. Les Warsellers. Moi aussi, j'ai fait attention. Ça, c'est nul. Mais ça, c'est nul. Il pue la merde. Ça, c'est très bien. 136. Alors, la même particularité de Captain Crow, c'est qu'il va nous montrer la puissance de l'attention. Et 20. Moi aussi, j'ai de l'attention. 125. Il est à fond. Attention hyper élevée. 200. Je crois qu'on peut atteindre ça, non? Oh, double attaque désespérée. Fort. Ah, faut savoir, dans cet état-là, il va faire très très mal. J'aimerais bien qu'il tape. Il m'a tué un monstre. Et Warseller, c'était pris une grosse éculotée. Manque des uns. Et quelle attaque de Jessica qui je peux la réduire? Que je regarde.
Paralyse et gêne les ennemis. Je crois que c'est le pouf-pouf, hein. Un bon déhanchement entraînant. Gros dégueu. Ah, c'est pas les mêmes trucs. Hein. Ah, c'est lui qui a l'aptitude. Non, c'est un sort. Et il l'a pas encore. Merde. Bon, c'est pas grave. Ça fait mal quand même. Je vois que j'ai du 148 de dégâts par tour. Enfin, il nous a fait un petit trou d'air. C'est les Warceleurs qui ont pris le trou d'air à fond. Va en coupant. Des multi-soins maintenant. Ça fait mal. Ça va faire très mal. Et très mal joué, je crois. J'ai fait un. C'est bon, multi-soins arrive avant. Et là, il va atteindre sa tension extrême. Ça va devenir problématique. Ça. Envoyer deux trous d'air. À ce niveau-là, vous avez vu sa défense, elle a beaucoup augmenté. Ça fait que je fais beaucoup moins mal. Et plus me défendre parce que c'est plus mal quand même. Oh l'enfoiré! C'est horrible. J'ai perdu ma def par le son de l'attaque. C'est pas grave. J'ai survécu. C'est tout ce qui compte. Et un multi-soin pour tout le monde. Un. Mais ça fait moins mal. C'est ça le problème avec les boss qui peuvent taper deux fois, c'est qu'ils peuvent augmenter leur tension tranquille alors que toi t'attends. Ah, c'est concentre à nouveau. Ah merde, j'ai fait l'âme de faucon. Pas très grave. Soin que je... Tout le monde soit en forme pour subir les grosses attaques. Ça va, on a une bonne def avec reconcentration. Je manque, je suis un sac à pied. Je vais couper les normalement. Je vais pas tarder à mourir. Oui, sa dernière grosse attaque.
suis à fond. Petite erreur du jeu, ça c'est cool. Il y a du temps. Attends qu'il attaque. Heureusement qu'il est un peu lent. Ah, ça y est, il attaque. Il est à bout. Tu pourras pas nous avoir, hein. Sur la durée, on te détruit. Jessica a fait beaucoup trop mal avec son coup de... Et bientôt, Yanggu va faire énormément de dégâts. C'est une question de temps. Je peux que abandonner là. Tranquille. On aura bien avancé. Oh, 9000 points. Angelo niveau 34. C'est le seul. 18 PV. 3 PM. 2 de force. Résurrection, ça c'est bien. 7 points de compétence. Alors la résurrection, à la différence de l'autre moyen de ressusciter les mes camarades, c'est que c'est sûr de réussir et ça régène à 100%. Allez, plus de charisme. Le charisme augmente, il devient séducteur. Confusion, demi-pièce. Un chapeau de pirate. J'ai fait du coup j'arrête en plus. Shiver me timbers, you beat old Captain Crow. Tis a good sign. My treasure be yours. Merci. Me old hearties. Take my treasure and fulfill the dream I never could. Non, en tant que fantôme, tu pourrais. À moi. La carte lumineuse. J'ai gagné. Le karma. Oh, that ain't something I wanted you to see. And you've gone and got the bounty to boot. Hang on, is that all it is? That scraggy old bit of paper? That's pathetic. If I'd have known it was as naff as that, oh, pathetic, I'd never dit. Have bothered. I suppose I'll just have to make do with the 10,000 gold coins I picked up on the way. Qui était à côté, le coffre que vous avez vu. Right, I'm out of here. I've had enough of this damn hole to last me a lifetime. Au revoir. She got all that dough down here. She's a sly old fox, that Red. On s'en fout. Well, we got what we come for. Ain't no point in us hanging around here no more neither. Et là, je découvre que je peux pas faire évac. Il y a mon plus ici. Alors, je vous montrerai tout ça la semaine prochaine. Eh oui, ça passe tellement vite. Donc là, j'ai fait 2 heures sup. Beaucoup d'heures sup, hein, dans l'après-midi, j'ai fait du Minecraft. Hein. Donc, vous êtes contents, les gens. Beaucoup de live. Mais bon, faut pas trop profiter, ça ne durera pas. Hein. Je parle surtout des lives de l'après-midi. Hein. Ne vous inquiétez pas, le Let's Play sera toujours là. Voulez-vous laisser boire? Non, c'est bon, elle a ses bulles. Genre, alcoolique, va.
Alors, bon, on va aller à Baccara, j'aime bien la ville. Plutôt que l'église à côté, on a la marchée. C'est toujours intéressant de déposer sa thune. Surtout que je vais bientôt avoir besoin de l'argent, puisque je vais atteindre deux villes. Au prochain épisode, deux des trois dernières villes. Oui, le dépôt. Le dépôt de 8000 pièces. Je vous en prie. Bon, par contre, mon level est très faible. J'ai perdu un de mes monstres. Les Warcelers n'arriveront pas à survivre. Donc je m'occuperai de tout ça la semaine prochaine. Grosse sauvegarde. Et comme vous avez constaté, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui avec ces 15-16 minutes de plus. Du coup, petit point vite fait pour les monstres, hein, je vous fais plaisir. Bla 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 bla. 47 heures de jeu. Ce qui n'est pas normal, c'est pas un multi, je vais être à 48. Bon, enfin bref, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Comme j'ai dit, je vais regarder vite fait. Bon, de faire quelques emplettes, les gars ont besoin d'une armure. Oui, mais l'armure elle arrive. Non, mais oh. La tour guidon. Il manque des monstres là, il va falloir que je les nettoie. Pic du blizzard, il en manque un. Et là, on est avec les chiens de l'enfer. Là. Je vais tirer les couilles. La zone, elle est bonne ici. On a déjà tout. Il y a Est, on a l'air bon, il y a du temps quand même. La hanse du pirate. Qui est là. On est bon. Ah, il manque deux ennemis. Faut que je les fasse. Bon, il y aura moyen d'y retourner pour l'instant. Et surtout au niveau des monstres, Captain Crow se situe bien avant les deux autres. Donc j'ai fait cette quête là avant. Ce qui montre que lui, pourtant il donne plus d'XP. Mais bon, à eux 2, 4, 5, 6, 7, 8. Non, c'est lui qui donne plus. Il donne un tout petit peu moins d'or, mais plus XP. Ils avaient constaté que je peux en raffronter d'autres. Les objets à récupérer. Bon, enfin bref. Comme je dis, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve du coup mercredi pour notre séance World of Warcraft. En théorie, tranquille, peinard. Je vais voir ce que je vais faire. Sympa, hein, j'aurais pu attendre 2 minutes. Si tu mets dans le bouche à la fin. Ensuite, on se retrouvera vendredi pour notre séance Genshin Impact Aventure Compagnon. On se retrouve samedi pour un stream détente. En théorie, c'est du Genshin Impact. Ça, il n'y aura pas de soucis. Vendredi, samedi. Et enfin, on se retrouve lundi prochain pour la suite des aventures de Dragon Quest VIII, l'Odyssée du Roi Maudit. Avec l'île que je vais montrer, mais pas par la carte parce que ça se pose des trucs. Tac. Par habitat. Donc ça se situe dans cette zone là. Maintenant que j'ai la carte, je peux avoir accès à cet endroit parce que sinon je peux y avoir accès que par les airs, mais je n'ai pas ce qu'il faut. Et justement, c'est sur cette île que je vais récupérer le moyen de me balader dans les airs. Et oui. Et avec ça, je vais pouvoir aller à un endroit en particulier, ou quelques endroits en particulier. En fait, je peux visiter presque toute la map. Et à récupérer les derniers trucs dont j'ai besoin pour vraiment optimiser mon groupe comme des porcs avant la fin du jeu. Et oui, on arrive presque à la fin. Hein. Même s'il reste aussi cette petite zone-là, ça je m'en occuperai juste après. Mais vous pouvez voir que j'ai à peu près fait tout le tour de la map. Là, ça y est, hein, des points partout. Il y a juste 2-3 donjons encore, 3 villes. Donc deux que je vais déjà visiter la semaine prochaine, ça se situe sur cette île.
Et le troisième, il est assez particulier, vous allez voir. Une fois que j'aurai visité cette ville-là, j'ai à peu près visité toutes les villes où je pourrais acheter de l'équipement à une ville près. Parce que oui, il y a encore une autre ville, mais je suis obligé de finir le jeu. Vous comprendrez. Je vous révélerai tout quand j'obtiendrai ce qu'il faudra. Pour l'instant, je ne révèle rien de plus. Voilà. Sur ce, moi, je vous dis bonne nuit. Ciao, c'est Jean.